été prudent pour la vidéo. Excusez-moi. Donc je vais vous faire cette vidéo demain soir, mais comme j'ai un peu de temps libre, je vais le faire ce soir. Donc je vais vous parler un peu des actus web, mais je vais pas vous faire un débrief du match d'hier et simplement par la force de m'énerver. Donc voilà, je vais vous parler un peu des dernières actus de l'OM qui a eu lieu ces les quelques heures qu'il y a eu. Les quelques actus aussi. Donc voilà. Alors, l'OM cherche un nouvel entraîneur. Vous savez que n'est plus l'entraîneur de l'OM depuis quelques temps maintenant. Mais pour l'instant, c'est Pancho qui le remplace. Donc, mais Longoria cherche quand même un nouvel entraîneur pour un nouveau challenge. Pourquoi pas. Alors, il y a quelques noms qui sont sortis. Le premier nom qui est sorti, c'est Lopetegui. L'entraîneur, enfin, il a entraîné le Real Madrid, je crois, sur une courte durée, il paraît très longtemps. Il a gagné donc l'Europa League avec Séville, la saison dernière, ou l'autre avant, je sais plus. Mais voilà. Il a gagné donc l'Europa League avec Séville, donc c'est pas rien quand même, sur l'Europa League, c'est une Coupe d'Europe. Il faut le faire, donc il l'a fait avec le FC Séville. Donc voilà, il y a déjà ce premier nom qui est sorti pour juste entrer en même. On n'en sait pas plus pour l'instant. Le deuxième nom qui est sorti, c'est le nom de Christophe Galtier. L'OM aurait contacté Christophe Galtier pour qu'il vienne entraîner l'OM. Et le coach, Christophe Galtier, serait emballé par le challenge olympien, même si c'est vrai qu'il y a eu quelques tensions quand il allait entraîner Paris et tout. Beaucoup de Marseillais l'ont mal pris, l'ont pris comme une trahison. Mais en tout cas, le coach serait emballé par notre projet. Donc je vous dis un peu ce que j'en pense. Alors moi, pour la venue de Galtier, je suis... Excusez-moi, ça allait à YouTube. Donc je disais, pour la venue de Galtier, moi je suis pour, certes il m'entraîne le PSG et tout, enfin, voilà. Pourquoi je suis pour? Parce que voilà, si on peut au moins une année concurrencer le PSG, soit chez eux ou chez nous, car oui, Galtier a déjà quitté le PSG avec Nice. Donc si on peut le faire, que Galtier soit le mec qu'on gagne le PSG, pourquoi pas? Je ne peux pas vous mentir que c'est... Il y a quelques années, on aurait entendu Galtier, on n'aurait pas refusé. C'est vrai que là, depuis qu'il a signé au PSG, on l'a tous mal pris, mais après, voilà, ça fait partie du football. Même si c'est vrai que sont concernés comme Marseille, c'est comme un peu une trahison, je suis d'accord. Et voilà, en tout cas, ce serait plutôt une bonne pioche pour avoir Galtier à l'OM. Ah, malgré tout ce qui s'est passé, c'est tout. Voilà. En tout cas, si on veut avoir de nouveaux objectifs et un nouveau challenge, ça serait peut-être l'entraîneur idéal. Donc voilà, n'hésitez pas à me dire dans les commentaires ce que vous en pensez de ces choix. Pour l'instant, rien n'est officiel, mais ça en discute. Donc voilà, bien sûr, affaire à suivre. Après le Classico hier soir, victoire du PSG 4-0, je vais pas vous faire un court débrief, enfin un long débrief sur ça, que ça m'a un peu énervé le match et tout. Randal Kolo Muani et Ousmane Dembélé à la fin du match sont allés fêter la victoire avec le supporter et auraient insulté les Marseillais. Je mets la publication juste ici. Voilà, ils auraient insulté les Marseillais. Marseillais, je peux pas lire la suite. Donc voilà, je trouve ça, c'est une mentalité débile en fait de dire ça. T'as vu, tu gagnes ton match, t'as le droit de le fêter, on aurait fait Paris nous, dans le monde, tu vois. C'est un droit de fêter sa victoire, ça, il n'y a pas de souci. Mais de là à insulter les Marseillais, là non, parce qu'on a un minimum de respect. Certes, tiens, on a montré un visage dégueulasse, on ne va pas se mentir, mais de là à insulter, je trouve ça ridicule. C'est dommage vraiment d'en venir à là. Enfin voilà, après c'est leur mentalité, c'est comme ça. Mais donc la LFP va bel et bien revoir les images. Et s'ils considèrent ça comme injuste, la sanction risque de tomber pour eux. En tant que Marseillais, j'espère qu'une sanction lourde quand même, parce que l'insulte qu'ils ont fait, il n'y avait pas... Comment expliquer? Il n'y avait pas de justificatif à avoir pour insulter, donc ils ont insulté pour rien en fait. Voilà. J'espère qu'il y aura une longue sanction
pour ces deux joueurs, je sais parce qu'il y a des joueurs du PSG qui n'ont pas insulté, je crois tous les mettre dans le même panier. Mais au moins j'espère qu'il y aura une très très grosse sanction pour Colomoy et Dembélé. C'est dommage parce que c'est des joueurs que j'apprécie beaucoup en équipe de France. Et de là à ce que ça en vienne à là, je trouve ça ridicule. Voilà. Voilà pour les actus d'OM que j'ai vu, mais actus hors OM. Donc n'hésitez pas à me dire dans les commentaires ce que vous en pensez. Et désolé pour les bruits des motos et tout, je pense pas venir me connaître, c'est désolé encore. Voilà, c'est déjà la fin de cette vidéo. Si vous avez aimé la vidéo, mettre un pouce bleu, vous abonner à l'actu, cloche, commenter, partager, je vous dis ciao. Et bien sûr, quoi qu'il arrive, allez l'OM, à la vie, à la mort.